Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, bon, cette semaine vous n'avez pas eu de vidéo à cause du mariage, j'étais pas mal prise, ben, du coup après il faut remettre tous les papiers en ordre, hein. Donc voilà, ben, j'ai pas pu faire de création non plus, donc là je vais m'y remettre cette semaine. Par contre j'ai reçu du courrier, voilà. Donc je vais vous le montrer. Alors d'abord en premier, je voulais remercier, vous avez vu, j'avais fait une petite vidéo photo avec les photos de mon mariage. Donc je voulais remercier, je n'ai pas répondu, je n'ai pas mis de commentaire à tout le monde, mais j'ai liké, donc j'ai mis un j'aime et un cœur à tout le monde. J'espère n'avoir oublié personne. À toutes les personnes qui ont mis un commentaire sous cette vidéo. Donc je voulais vous remercier tous de vive voix pour tous vos commentaires de ma part et de la part de mon mari, parce que bon, ben, je lui ai montré à chaque fois les commentaires que l'on avait reçus sous cette vidéo. Donc je vous remercie tous. On a reçu plus de 120 commentaires donc sous la vidéo de nos photos de mariage. Donc je vous remercie énormément, ça nous a fait très très plaisir. Bon, et puis peut-être on aura encore d'autres commentaires, donc pour les commentaires qui arriveront encore, merci d'avance. Donc vous comprendrez pourquoi, bon, je n'ai pas pu répondre à tout, mettre de commentaires sous cette vidéo, voilà. Mais j'irai mettre un petit message que j'irai épingler en haut de la vidéo tout à l'heure. Voilà. Alors, encore un énorme merci à tous pour vos commentaires. On vous embrasse très très fort. Alors aujourd'hui, je vais montrer les courriers que j'ai reçus donc cette semaine. Parce que ben, j'ai pas eu le temps de filmer, donc j'ai encore reçu des cartes après le mariage, et le jour du mariage même j'ai reçu donc un petit paquet de Christiane qui m'a envoyé une carte et une création. Je vais vous montrer d'abord la création qui est super belle, qui va aller dans ma chambre. Là je ne l'ai pas encore mise. Voilà, alors j'espère que vous la voyez bien. Voilà. Hop, 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 hop. Donc c'est un cœur fait sur un, c'est un cœur en bois décoré qu'elle a peint. Donc, je vais vous montrer en détail. Voilà. Donc, ici elle a fait un petit cadre. Elle a mis des demi-perles, des petites roses. Donc elle a fait dans les couleurs de mon mariage, hein, voyez, des petites roses bleues, des roses blanches, de la dentelle, des petites feuilles là. J'aime beaucoup ces feuilles là, blanches. Là, comme un demi-galet, comme un galet blanc. J'aime beaucoup aussi une fleur en dentelle blanche, enfin une fleur brodé ou dentelle, voilà. En bas il y a des perles, ici on a des rubans dentelle, voilà. Ici un gros cœur en plâtre, voilà. Avec un cœur en papier derrière, et tout autour elle a mis des perles bleues brillantes. Donc je trouve ça vraiment magnifique. Donc elle a fait une attache bleue avec du ruban. Il est vraiment magnifique. Elle a mis des petites découpes aussi en forme de cœur. Je vous rapproche pour que vous voyez bien. Il est vraiment superbe. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle a dû passer quand même un peu de temps, même beaucoup de temps pour le faire. Il est vraiment magnifique. Il a le petit cabochon. Vraiment très très joli. Voilà. Et Christiane fait toujours de très jolies choses.
Voilà. Donc là, c'est le petit cœur qu'elle nous avait fait, enfin un gros cœur, et qu'elle a accompagné d'une carte. Voilà. Pareil, donc avec la même fleur. Vous voyez. La dentelle aussi en haut. Là, à l'intérieur, elle a une image de rose. Et elle m'a marqué, c'est avec un grand plaisir que je vous ai réalisé ce joli cœur pour aller pour celle. Alors, parce que je ne sais plus lire. Pour sceller tout votre amour et votre mariage. Je vous souhaite une très longue vie de bonheur, d'amour. Gros bisous, Christiane. Voilà. Écoute, Christiane, bon, je t'ai déjà remercié hein, sur Facebook. Je le refais encore une fois ici. Merci beaucoup pour tout le travail que tu as fait pour, avec ce cœur. Il est vraiment très très joli et j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc il va aller dans notre chambre. Voilà. Et merci, merci beaucoup beaucoup beaucoup. Voilà. Alors, en plus de ce joli cœur, j'ai reçu des cartes. Donc, j'ai reçu une carte d'Isabelle, ma poulette. Maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. Qui était déçue que je la reçois après le mariage. Mais bon, dans les aléas de la poste, ça, on peut rien y faire. Donc voilà, le devant, le derrière, voyez, avec les papiers 15-15 de chez Action, holographique. Donc elle a fait des petites découpes papillons. La carte s'ouvre comme ceci, avec des petites chouettes. Elle a fait des petites alliances que j'essaye de. Alors, voilà, ici. Donc en embossage, ici et ici. Voilà. Et le petit mot est derrière. Voilà. Il est caché ici derrière. Voilà. Alors, par cette simple carte, je viens pour vous féliciter de votre heureux mariage et que ce jour soit le plus beau possible. Toutes mes amitiés, votre amie Isabelle. Voilà. Donc, le petit mot, je le remets derrière. Voilà. Donc, une très jolie carte avec une jolie découpe. Et il y a un embossage, vous voyez, sur le papier du milieu. Donc vraiment très joli aussi. Voilà, et qui se ferme comme ceci avec un ruban. Donc je remettrai le ruban après. Ensuite, là j'ai reçu. Alors Laurette devait m'envoyer quelque chose de personnel. Donc elle m'a ajouté en plus un petit tag. Alors que j'aime beaucoup également, puisqu'elle m'a mis une image vintage de petits enfants. Voilà. Regardez. Tout mignon. Avec une découpe dorée avec des papillons. Une petite dentelle ici en dessous. Et le petit ruban. Voilà. Vraiment très très joli. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Vous savez que j'aime le vintage, hein. Tout ce qui est vintage, shabby, steampunk, tout ce qui est un peu voilà. Et elle m'a mis également, alors j'ai oublié le nom déjà, comment ça s'appelle, un floss tag. Voilà, voilà, un petit floss tag
avec un papillon. Alors vous voyez, ça c'était le flashtag que j'avais reçu de désolé, hein, j'ai une très mauvaise mémoire des noms de Christelle. Voilà. Et donc c'est pour ça que je ne connais pas vraiment les dimensions. Donc, mais le sien est très très joli aussi. Donc avec un papillon, la dentelle, des petits strass. Voilà. Il est très joli. Donc là, le petit mot. Je ne vous le lis pas puisque c'était quelque chose de personnel. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup Laurette. Ton tag et ton petit floss tag est très 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 joli. Ici aussi, c'était un envoi personnel. Donc, elle me l'a accompagné d'une carte qu'elle a faite. Voilà. Donc, ça, c'est la petite carte qu'elle avait faite. Voilà. Toute mignonne, toute simple, mais qui est très jolie aussi. Bon, la petite fleur a été un petit peu écrasée par la poste, mais bon. Il y a les petits papillons, voilà, la petite tour Eiffel, et derrière, voilà le papier. Voilà, qui vient de Scrap à Chris. Donc c'est pareil, je vous lis pas ce qui est à l'intérieur, parce que là c'était quelque chose de personnel. Ensuite, alors là c'est quelqu'un qui ne fait pas de loisirs créatifs, mais qui m'envoie toujours une carte pour les occasions qui d'ailleurs il va falloir que je lui envoie une carte aussi, je suis une vilaine qui s'appelle Martine, donc elle m'envoie toujours une carte et ça me touche vraiment beaucoup. Donc elle m'envoie des cartes normales, hein, enfin, mais le geste y est et ça me fait toujours plaisir. Voilà, donc Martine, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Bah, c'est pour le mariage, hein, donc toutes mes félicitations pour cette belle décision et avec tous mes voeux de bonheur, bien à toi, amitié. Et elle m'avait mis en PS, belle photo sur Facebook. Oui, parce que j'avais mis mes photos, quelques photos de mariage également sur mon Facebook. Donc merci beaucoup Martine d'avoir pensé à moi et de m'avoir envoyé cette jolie carte. Et je crois que c'est aujourd'hui, oui, j'ai reçu aujourd'hui, alors, qui vient de très loin, alors qui vient du Canada, voilà, une carte qui vient du Canada, voilà, donc je vous montre. Alors, la carte vient de Lynn. Voilà. Alors, Lynn Daigneau. Alors, j'espère que je n'écorche pas ton nom. C'est Lynn Daigneau. Voilà, qui m'a fait une jolie carte avec un pochoir, là, sur le devant. Voilà. Ici, elle a fait un embossage en marquant félicitations, un joli ruban, voilà. Et à l'intérieur, elle m'a mis une jolie mariée, voilà. Et elle a écrit que du bonheur pour la vie. Voilà. Vraiment une très jolie carte aussi. Qui vient de très loin. Voilà, c'est une carte en papier doré. Donc Lynn, merci beaucoup pour ta carte, elle est vraiment très très jolie et ton écriture est très belle. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Voilà. Donc même vous voyez,
J'ai même mis un petit sticker ici derrière l'enveloppe. En plus du petit sticker par avion, mais elle avait mis une petite fleur. Voilà. Donc voilà les cartes que les dernières cartes que j'ai reçues donc cette semaine avant non après le mariage, oui, je les ai reçues après le mariage et le jour du mariage pour Christiane. Donc je vous remercie toutes, malgré que certaines, bon c'était, mais je vous remercie quand même, hein, malgré que deux étaient pour des choses personnelles. Je vous remercie toutes pour vos cartes. Donc là bientôt je vais faire l'album pour pouvoir y ranger toutes vos cartes et les mettre bien en valeur et pouvoir les garder en souvenir près de moi dans mon atelier. Donc bientôt je ferai cet album. Alors je pense, je ne sais pas si je vais acheter un album déjà une structure toute faite que je vais décorer. Je pense pour les cartes, je pense que je vais faire ça. Je vais peut-être acheter une structure déjà faite, vous savez, avec des anneaux et que je vais décorer avec du papier. Je vais voir comment je vais m'y prendre, puisque je dois encore faire l'album du mariage en lui-même et finir les albums aussi des témoins. Chose que je n'ai pas encore fini. Voilà. Mais je vous remercie tous. Je vous fais de gros gros bisous à tous. Et je vous remercie encore une fois, même 10 fois, 100 fois, pour tous les messages que vous nous avez laissés sous la vidéo photo de notre mariage. Voilà. Merci, merci, merci encore. Énormément, et mon mari se joint à moi pour vous remercier également. Voilà, je vous retrouve très très rapidement. Il y a une vidéo qui va arriver après pour un swap que j'ai reçu. Donc à très vite pour cette vidéo. Voilà, et là vous voyez, Fifi est pas là. Elle fait dodo. Elle est avec mon mari par là. Que là, du coup, il a eu sa semaine de congé. Il est là. Et là, elle est par là. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Allez, je vous fais à tous des gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Bye bye. Bisous, bisous.